C'est bon, on est chaud. C'est parti, regardez. Non, vas-y, attends, vas-y, on prend une chip chacun et tu fais l'intro. Ah non, tu veux que je la fasse? T'as fait? Hein? Ouais. Ok. Hey, salut tout le monde, c'est Tony, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve sur la chaîne de Drake, donc salut tout le monde, c'est Drake. Voilà, bonjour à toi. Je sais pas si ce sera exclusivement sur sa chaîne, à voir, peut-être que ce sera sur la mienne, on verra. En tout cas, première vidéo de la petite série que cet homme poilu a mis en place. C'est moi. Donc le Drake hors show. Hors show, voilà. Donc pour fêter, on va dire Halloween, donc les vacances de la Toussaint, on a décidé donc moi et ainsi que Tony de faire une petite série sur des jeux d'horreur. Voilà, tout donc, simplement. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de présentation où on vous explique tout ça. Et donc premier jeu, on est sur Left 4 Dead 2. Donc voilà, on va essayer de montrer la nullité. No homo. No homo. Complètement gay. C'est horrible. Ah non. Ah. 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 Ah vu qu'il la lèche, mais après il l'aime. Enfin bref, trêve de... Donc pour vous dire, on a à bouffer, on a à boire, on est bien, on est calé. Donc si vous voulez aussi, calez-vous, ça c'est mon verre. Produit. Chez Dark Company, enfin chez Drake et Tony Vidéo, on aime bien boire du soda. Il est bon, ce n'est pas un placement de produit, mais buvez-le. C'est ça. Il pourra que le... ça c'est genre un syndrome sur internet des placements de produits. Enfin, non, bref. Mais c'est pas un placement produit, mais pas fait exprès quoi. Non, c'est pas un placement tout court. C'est pas un placement. Ouais. De toute façon, Coca ça fait grossir. Oh, j'ai dit c'est Coca. Oh, c'est du Coca-Cola. Ça a peut-être temps de commencer à jouer, peut-être que les gens sont impatientes. Appuie sur start, s'il te plaît. Tac. Bon, voilà, on va essayer de. Vas-y, fais rejoindre. Nullement. Rejoindre. Du coup, est-ce qu'on en parle ou pas? De quoi? De notre erreur. D'une merde. Bon alors faut savoir qu'en fait on a tourné juste 45 avant. Minutes. Pendant 45 minutes on a tourné. Mais ceci c'est qu'on a oublié d'enregistrer le gameplay. Voilà. Voilà à cause de ce bolos qui ne sait pas être un professionnel sur YouTube. J'ai tout réglé et tout, moi, j'ai oublié. Étant expérimenté bien sûr. Maintenant. Bien sûr. Je sais que jamais je ne ferai bien d'erreur. Sûr, bien sûr. Bien sûr. Bon bien voilà, sûr. On a perdu 45 minutes de notre vie en fait. Donc c'est pas grave, on fera une vidéo plus courte du coup. Ouais, mais on connaît un petit peu, mais bon, on reste des gros noobs, ça va être marrant, vous allez regarder. Ah oui, alors là on est vraiment des gros noobs. Là c'est abusé. Noob time. Ah ben là complètement. Le problème c'est que le temps de chargement est carrément long, donc je propose qu'on fasse une sieste. Bonne nuit tout le monde. Je pense qu'on va mettre fin à cette vidéo, donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à tous et à la prochaine. Like, abonnez à la prochaine. Hey, bye tout le monde. Super tout le monde. Et retrouvez-nous au carnaval du... Non tiens, carnaval. T'as un gros sac qui parle, mais le carnaval. Il est fin. Allez, tournez-vous au Dark Carnaval. Alors faut savoir que Drake était le gros noir dans la partie d'avant et moi j'étais... T'es raciste ou quoi? Le Shintok, le jaune. Le gros raciste. Mais gros raciste. C'est bon, ouais, dislike, désabonne. On m'en fout, sur ta chaîne, ils vont se démonter ta chaîne. Ah c'est bâtard. Non, désabonnez-vous de la chaîne. Et ouais. Non, faites pas ça. Donc normalement, donc il y aura aussi peut-être des vidéos sur sa chaîne, donc allez voir si jamais. Voilà, bon techniquement c'est un petit concept, enfin on va dire entre nous deux, c'est lui qui a voulu faire ça, donc ce sera majoritairement sur sa chaîne, mais moi à voir peut-être quelques gameplays sur la mienne, donc voilà. N'hésitez pas à venir voir les deux points de vue, ça peut être marrant. Sachant qu'on monte pas de la même manière, donc... Exactement. Enfin, moi je suis un gros sac du montage aussi, alors... Alors du coup je peux incarner le gros noir de tout à l'heure. Donc voilà, c'est parti. Donc du coup les 4 Dead, donc c'est un FPS sorti en 2008-2009, si j'ai pas de conneries. Ouais, 2008, ouais. Ouais bah sur console c'est 2009 donc ouais. D'abord sorti putain c'est like bordel de merde. Donc c'est là on joue en multi avec d'autres gens ou pas? Ouais. Sérieux? Avec d'autres gens. Ouais. Avec d'autres gens. Donc tout à l'heure on avait aussi joué avec d'autres gens, ils géraient mieux que nous. Ouais carrément. Parce que alors déjà dans ce jeu, les zombies, certains zombies te one shot mais direct, ils te foncent dessus, donc c'est un peu compliqué. Donc c'est un jeu qui est bien, il est sympa, mais il est très compliqué. Un peu chaud quoi. Exactement. Donc là, on n'est pas sur la même map que la dernière fois. Bon, on va arrêter de comparer avec les deux points. C'est ça. C'était juste en gros pour vous dire un petit peu qu'on peut tomber sur n'importe quelle map. C'est ça. Mais en gros, on a mis quand même une demi-heure à trouver le bouton pour recharger. alors là, c'était magique. Pour vous dire, alors ce jeu, il a rien compris. Genre, pour se baisser, c'est LB, le bouton pour les grenades de base. Et le B, c'est pour recharger. C'est pour se baisser à la base. Ils ont pas compris. Ils ont tout inversé. Bon, donc là, voir que c'est juste une orgie de zombies. Ah mais là complètement. Les zombies dessus en fait ils te foncent dessus, ils te courent dessus, ils ont aucun respect.
Mais la dernière fois, enfin, quand on a joué tout à l'heure, c'était vraiment tendu. Honnêtement, on est mort ouais, une dizaine là, de fois. Là, franchement, on gère mieux, mais c'était carrément. Ouvrez-moi la porte, s'il vous plaît. Ouvrez. Oh, le nombre de. Ouvrez. Voilà. Oh là, il y a du lag. Oh, oh putain. Il se passe quoi chez toi? C'est fini. J'arrive, je cours. Non, c'est fini, mais j'ai pas je cours, je vole. Barrez-vous, les zombies. Barrez-vous. Non mais comment je suis pas mort, tu m'expliques? Parce que je suis là. Bah ouais, je suis venu te sauver hein. Putain, c'est chaud. Oh, j'ai deux flingues. Ah, j'ai deux flingues en akimbo. Ouais, bah pareil. Sérieux, c'est cool. Donc j'ai réussi à survivre à ça, je sais pas comment j'ai fait. Bah j'étais là. Ouais, mais quand même, avant que tu viennes, il y a eu sacré moment. Hein. Putain, mais ouvre la porte. Putain, il essaie de me troller. Du coup, on va prendre ça. Nickel, ouais. Hé hey. Putain, il ferme la porte exprès, c'est... Ouais, mais ils essaient de troller en fait. Alors. Ah bah c'est fini, on a gagné. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Cette blague a déjà été faite. C'est ça. Ouais, on a déjà fait dans une vidéo, mais du coup, c'est foiré. Donc voilà. Du coup, on va refaire quand même une petite game vite fait, parce qu'on a tourné combien de temps? 7 minutes 47, très bien. On essaie de faire plus court quand même, parce que... Oui, mais on essaie de faire, on va dire... Du coup, ce sera plus court, mais j'essaie quand même de faire plusieurs épisodes. Donc ouais, je pense qu'on aura minimum 2, ce sera du 10-15 minutes, un bon ouais, format. Ouais, 10-15 minutes, c'est pas mal, je pense. Enfin, pour moi, c'est le meilleur format YouTube qui existe pour tout le gaming, c'est vraiment... Non, parce que pour les Let's Play, c'est plus long. Ouais, Let's Play, je suis d'accord, mais... Le reste des vidéos, franchement, 10-15 minutes, c'est genre le temps où les gens se lassent pas. Et... Bah, tu vois, mes Funtage sur ma chaîne, c'était du 20 minutes, mais quand on a fait ensemble du 15th Daily, tu vois, c'était du 10-15 minutes. Placement de produit. Ah, bah, on est sur ma chaîne, alors on m'en bat les couilles au pire. Voilà, abonnez-vous à sa chaîne. T'es les gros lourds, t'sais, les pauvres gars. Abonnez-vous. T'sais, c'est les pauvres gars. T'sais, genre les types de mecs dont. Enfin, je pense que vous connaissez d'ailleurs les genres de mecs qui font avant de vidéo. Ouais, c'est ça, c'est directement. Alors, ils disent... n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo et à partager sur tous les réseaux sociaux du monde. Et après. Ça me casse les couilles. Enfin, on connaît je connais un youtubeur qui fait. Moi je le fais, mais. Si vous connaissez lequel c'est, vous me dites. Je le fais pas en vidéo, en fait, je le dis pas, mais je dis en fait, je mets un petit onglet au début de la vidéo pour dire abonnez-vous, likez, commentez. Voilà. Ah, comme, non, mais voilà. Tu spammes pas les gens qui font ça, c'est vraiment. Ouais, ça c'est short et qui dit exactement ça. Le mec qui fait ça, il a combien 1 million d'abonnés, c'est-à-dire que c'est même plus la peine quoi. Je veux dire, le mec il gagne bien sa vie avec et tout. Ouais, c'est ça, mais ils te spamment, bah oui.